Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou predicateursansfrontieres@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Mary to say, I'm not ready to donate my womb. Marie pouvait dire que je ne suis pas prête à faire don de ma matrice. The mother of Jesus on earth will no longer be called Mary. La mère de Jésus sur la terre ne devait plus être appelée Marie. The Holy Ghost will still go around to look for another virgin again. Le Saint-Esprit devait sillonner et chercher une autre vierge. She said, be it unto me. Elle a dit qu'il me soit fait ainsi. There was no prophecy in scripture. Il n'y a aucune prophétie dans les Écritures. That the mother of Jesus will be Mary. Qui montre que la mère de Jésus devait être Marie. In fact, there was no prophecy in scripture. En effet, il n'y a aucune prophétie dans les Écritures. That the name of the one who will betray Jesus. Donnant le nom de la personne qui devait trahir Jésus. There is even no prophecy that this one who comes from heaven will be called Jesus. No. Et il n'y a même pas de prophétie que celui qui devait venir du ciel devait être appelé Jésus. Non. Jesus was an earthly name that was given to him. Jésus était un nom terrestre qui lui avait été donné. The name the angel said they would call him is Emmanuel. Le nom dont l'ange a dit qu'on devait l'appeler est Emmanuel. Did they ever call him Emmanuel? L'avait-il déjà appelé Emmanuel? There are footballers today called Jesus. Il y a des footballeurs aujourd'hui appelés Jésus. There are Jewish people today called Jesus. Il y a des personnes juives appelées Jésus. His original name is the word of God. Son nom originel est la parole de Dieu. The rider upon the horse. Le cavalier sur le cheval. Having a name that is written on his thigh, his lap. Ayant un nom écrit sur sa cuisse, son vêtement. His name is the word of God. Son nom est la parole de Dieu. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? We mentioned that name Jesus today so that creation will know that the Lord and Christ were talking about. Nous mentionnons ce nom Jésus aujourd'hui afin que les nations puissent savoir que le Seigneur et le Christ dont l'on parle is the one who walked upon the earth bearing that name Jesus. Est celui qui a marché sur la terre portant ce nom Jésus. That same Jesus has God exalted today to be both Lord and Christ. Ce même Jésus comme Dieu exalté aujourd'hui pour être Seigneur et Christ. This is why, when he says in my name, c'est pourquoi, lorsqu'il dit en mon nom, he does not mean in pronouncing J-E-S-U-S. Il ne veut pas dire en prononçant J-E-S-U-S. He means with the consciousness of my authority. Il dit avec la conscience de mon autorité. We mention the name Jesus so that people will know that the one we have placed our faith on is Jesus. Nous mentionnons le nom Jésus afin que les gens puissent savoir que celui en qui nous avons mis notre foi est Jésus. Are we blessed? Est-ce que nous sommes bénis? That's why you can find out that a man of God can stand. C'est pourquoi vous pouvez voir que un homme de Dieu peut se tenir debout. And without saying anything, the demons went. Et sans même dire un mot, les démons s'enfuient. And you're saying he didn't mention. Et vous allez dire, mais il n'a pas mentionné. I mean, you didn't say Jesus here. Yeah, the person just fell down. No. Mais vous n'avez pas dit le nom Jésus et les gens sont juste tombés. Jesus does not just mean pronouncing J-E-S-U-S. Jésus ne veut pas juste dire prononcer le J-E-S-U-S. He's walking with the consciousness of that authority. C'est le fait de marcher ayant conscience de cette autorité. The name is an office. Le nom est une autorité. But why do we call the name Jesus? Mais pourquoi appelle-t-on le nom Jésus? Because he's the one who walked upon the earth. Parce qu'il est celui qui a marché sur la terre. And we are directing people to know. Et nous dirigeons les gens afin qu'ils puissent savoir. There are many that claim to be Lord. Il y a plusieurs qui revendiquent être le Seigneur. There are many that claim to be Christ. Il y a beaucoup qui revendiquent être Christ. But the Lord and Christ we are speaking about is Jesus. Mais le Seigneur et le Christ dont l'on parle ici, c'est Jésus. In fact, when he asked Peter, who do men say that I am? En effet, lorsqu'il a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? He never said you are Jesus. Il n'a jamais dit tu es Jésus. He said thou art Christ. Il a dit tu es Christ. The son of the living God. Le fils du Dieu vivant. He didn't say you are wrong. Il n'a pas dit que tu as tort. He said flesh and blood has not revealed this to you. Il a dit la chair et le sang ne te l'a pas révélé. Blind Bartimaeus never called him Jesus. L'aveugle Bartimée ne l'a jamais appelé Jésus.
He said, "Thou son of David." Il disait, toi fils de David. He never said you are wrong. Il n'a jamais dit que tu as tort. It's the reason why we shout Jesus. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on crie Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. And nothing happens. Rien ne se passe. Because we are just calling an empty name. Parce que nous appelons juste un nom vide. That anyone on earth can claim. Que n'importe qui sur la terre peut s'approprier. There is no revelation behind it. Il n'y a aucune révélation derrière cela. For many years I called that name and demons still oppressed me. Pendant plusieurs années, j'ai appelé ce nom et les démons continuaient de m'oppresser. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? I'm not saying to stop calling the name Jesus. Je ne dis pas d'arrêter d'appeler le nom de Jésus. But it is more than that name. Mais c'est plus que ce nom. But we'll keep shouting the name. Mais lorsque nous continuons de crier le nom, so that they will know that it is Jesus. Nous continuons de crier le nom afin qu'ils puissent savoir que c'est Jésus. Which one? The Son of the Living God. Lequel? Le Fils du Dieu vivant. Bread of heaven, pain du ciel, venu de la gloire. Many things you are, plusieurs choses tu étais sur la terre, un saint roi, un charpentier. Tu es la parole vivante, le merveilleux dirigeant, tendre racheteur. Dieu avec nous, la vérité vivante. Et quel ami nous avons avec en toi. Tu es la parole vivante. Jésus, Jésus, c'est ainsi que l'on t'appelle. Né dans une mangeoire, mais sur un arbre, tu es mort pour sauver l'humanité. Tu es la parole vivante. That one who was in heaven called the word of God. Celui qui était au ciel appelé la parole de Dieu. When he came to the earth, lorsqu'il est venu sur la terre, they named him Jesus. Ils l'ont appelé Jésus. And that same Jesus today has become Lord and Christ. Et ce même Jésus aujourd'hui est devenu Seigneur et Christ. We know the will of the Father by looking at that one called Jesus. Nous connaissons la volonté du Père en regardant à celui-là. Appelé Jésus. C'est une expression de la volonté de Dieu. Touchons le dernier point. Ensuite, nous prierons. C'est quoi la dernière dimension de prière? N'oubliez pas trois dimensions. Un, la communion fraternelle et la croissance. Numéro deux, obtenir les promesses. And making requests, et faire des requêtes. And then I add that are consistent with the will of God. Et ensuite, j'ajoute qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Numéro 3. What is the third dimension of prayer? C'est quoi la troisième dimension de prière? The assignment of prayer number 3. L'utilité de la prière numéro 3. Is a platform to make decrees. C'est une plateforme pour faire des décrets. And spiritual legislation. Et des lois spirituelles. Pay attention. Prêtez attention. Decrees. Les décrets. And spiritual legislation. Et les lois spirituelles. Job 22 and verse 28. Job 22, verset 28. Thou shall also decree a thing, and it shall be established, not unto everybody, unto the one who decrees it. À tes résolutions répondra le succès, pas à tout le monde, à celui qui a décrété cela. The Bible did not say you shall decree a thing and it shall be established to them. La Bible ne dit pas que vous allez déclarer quelque chose, cela sera établi sur eux. It shall be established to thee. Ce sera établi sur toi. And the light shall shine upon thy ways. Thou shall decree a thing. Sur tes sentiers brillera la lumière, à tes résolutions. Do you know what it means to decree? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire de décréter? To decree means to make it an ordinance. Décréter veut dire créer une ordonnance. To set it as a law that cannot be violated. L'établir en tant que loi qui ne peut pas être violée.
He says, where the word of a king is, il dit, où la parole d'un roi est, there is power. Il y a de la puissance. There are three things that make a king a king. Il y a trois choses qui font d'un roi un roi. Number one, his words. Numéro un, sa parole. Number two, his crown. Numéro deux, sa couronne. Number three, his scepter. Numéro trois, son sceptre. If the king does not have these three things, he cannot be called a king. Si le roi n'a pas ces trois choses, il ne peut pas être appelé roi. Again, his word. Encore une fois, sa parole. His crown. Sa couronne. His scepter. Son spectre. So the Bible says, where the word of a king is, there is power. Alors la Bible déclare que là il y a la parole d'un roi, il y a de la puissance. Numbers 14 and verse 28. Nombre 14 verset 28. Please read with me if you are a Christian. Ready? S'il vous plaît, lisez avec moi si vous êtes un chrétien. Prêt? One to read. Un, deux, lisons. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in my ears, so will I do. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. The Bible says, do not say before an angel I made a mistake. La Bible dit, ne dites pas devant un ange que j'ai fait une erreur. Because they have an assignment to execute what you say. Parce qu'ils ont pour mission d'exécuter ce que vous dites. As you have spoken in my ears. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. As you have decreed. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. So will I do unto you. Je vous ferai ainsi. Decrees are powerful. Les décrets sont puissants. We legislate and we create realities in this kingdom. On légifère et on crée des réalités dans ce royaume. On the power of decrees. Par la puissance des décrets. That means you set in motion. Ça veut dire que vous mettez en mouvement things that have no business happening to happen. Les choses qui ne fonctionnent pas afin qu'elles fonctionnent. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. I decree. Je décrète. I declare, you say. Je déclare, vous dites. My path is as a shining light. Mon sentier est illuminé. It shines ever brighter. Et il étincelle. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. That every obstacle that stands before me. Tout obstacle qui est devant moi. Clears. Est nettoyé. You are not just speaking. Vous ne faites pas juste que parler. Brothers and sisters, hear me. Frères et sœurs, écoutez-moi. Prayer is a platform to make decrees. La prière est une plateforme pour faire des décrets. Prophetic decrees are powerful. Les décrets prophétiques sont puissants. They can shift mountains. Ils peuvent bouger les montagnes. Romans chapter 4 and verse 17. Romains 4 verset 17. As it is written, look up please. Comme il est écrit, regardez ceci, s'il vous plaît. I have made thee a father of many nations before him whom he believed, and even God who quickened the dead, and does what? Calleth those things which be not as though they were. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. So I can make decrees and call things into my life. Donc je peux faire des décrets et appeler des choses dans ma vie. Favor. La faveur. Open doors. Les portes ouvertes. Speed. Help us. L'accélération. Les bienfaiteurs. I can command them to arise by decrees. Je peux commander à cela de se lever par les décrets. One scripture to demonstrate the power of decrees. Un passage pour démontrer la puissance des décrets. Ezekiel 37 from verse 1. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. The hand of the Lord was upon me and he carried me out in the spirit of the Lord. Look up please. And he set me down in the midst of the valley which was what? Full of bones. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de quoi? Remplie d'ossements. Bones meant that once upon a time, those people were alive. Les os veulent dire que autrefois, ces personnes étaient en vie. Something happened and deteriorated them. Quelque chose s'est produit et les a détériorés. Down to the point where they had become bones. Au point qu'ils sont devenus des os.
and caused me to pass by them round about. Il me fit passer auprès de tout autour. And behold, they were very many. Et voici, ils étaient fort nombreux. In the open valley. À la surface de la vallée. And lo, they were very dry. Et ils étaient complètement secs. Very dry means that they had been there for a long time. Très sec veut dire qu'ils avaient été là pendant un bon moment. Someone's life is about to change. La vie de quelqu'un est sur le point de changer. Verse 3. Verset 3. And he said unto me, Son of man, I want to teach you something. Il me dit, Fils de l'homme, je vais t'enseigner quelque chose. Can these bones, est-ce que ces os, can this situation live again? Est-ce que cette situation peut encore revivre? And he answered, Lord, even though I'm a prophet. Et il répondit en disant, Seigneur, bien que je sois un prophète, the difficulty in this situation, I do not know if it can change. La difficulté dans cette situation, je n'ai aucune idée si elle peut changer. Only thou knowest. Seulement toi le sais. This is a prophet who was in a vision. C'est un prophète se trouvant dans une vision. And yet he did not even believe the possibility of that happening. Et pourtant, il ne croyait même pas à la possibilité de ces choses. That's a seriously hopeless situation. Ça, c'est une situation vraiment désespérée. And then, et ensuite, verse 4, he said unto me, verset 4, il me dit, prophesy, prophétise. Prophesy upon these bones. Prophétise sur ces os. Prophesy upon the delay. Prophétise sur le retard. Prophesy upon the retrogression. Prophétise sur la rétrogression. Not around it, upon it. Pas autour de cela, sur cela. And say unto them, et dis-leur, O ye dry bones, ô vous ossements desséchés, hear the word of the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. Verse 5. Verset 5. And saith, ainsi, thus saith the Lord God unto these bones. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Behold, voici, I will cause breath to enter you and you shall live. 6. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Now, notice this. Maintenant, notez ceci. For the sake of time. À cause du temps. Did you notice that God was telling him what to say? Avez-vous remarqué que Dieu lui disait quoi dire? And the bones did not move. Et pourtant, lorsqu'il parlait, les ossements n'ont pas bougé. God was telling him what to say. Dieu lui disait quoi dire? And yet the bones were acting as if it was not God talking. Et pourtant, les ossements réagissaient comme si ce n'était pas Dieu qui parlait. Verse 7. Verset 7. So I prophesied. Je prophétisais. I was as I was commanded. I was commanded. Selon l'ordre que j'avais reçu. But I did the decreeing, and the moment I prophesied. Mais j'ai fait un décret et dès le moment où j'ai commencé à prophétiser. What did not even happen for God started happening to me. Ce qui ne se passait même pas pour Dieu a commencé à se produire pour moi. When God was speaking and telling me what to say. Quand Dieu parlait me disant quoi dire. You would think the bones should just start acting. Vous aurez certainement pensé que les os devaient commencer à bouger. He repeated verbatim. Il a répété mot pour mot. The word confess comes from the Hebrew word homologio. Le mot confesser vient du mot hébreu homologio. It means repeat as you have heard. Ça veut dire répéter tel que vous avez entendu. Repeat. Répéter. The miracle did not start when Jesus was holding the bread. Le miracle n'a pas commencé lorsque Jésus tenait le pain. He gave them as they held it and as they were moving, it started multiplying. Il a donné le pain aux disciples et alors qu'ils se déplaçaient, le pain a commencé à se multiplier. I prophesied as I was commanded. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. And as I prophesied, there was a noise. Et alors que je prophétisais, il y eut un bruit. And behold, a shaking. Et voici, il se fit un mouvement. And the bones. Et les os. Ah, that means there is a condition. Ça veut dire qu'il y a une situation. Where what does not look like can be aligned again. Où ce qui semble être impossible peut être aligné de nouveau. At the instance of prophetic decrees. Sous
l'instance des décrets prophétiques. The Bible didn't say the bones came around. La Bible ne dit pas que les os se sont regroupés. They came together. Mais ils se sont rapprochés les uns des autres. Just because the situation looks chaotic. Juste parce que la situation a l'air chaotique. Does not mean order cannot be there. Ça ne veut pas dire que l'ordre ne peut pas être rétabli.